Bonjour à tous et bienvenue sur OpenTuto.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler brièvement de ce qui est HTML, CSS et Bootstrap. Bootstrap est en version 4 actuellement, il est en version alpha. Et pour les deux technologies HTML et CSS, sont respectivement en version 5 et en version 3. Donc notre site, nous allons le développer avec les dernières technologies de HTML, CSS et Bootstrap. Pour continuer, on commence avec HTML, qui est l'acronyme de Hypertext Markup Language. C'est un langage de marquage, de structuration ou de balisage. Donc, ce n'est pas un langage de programmation, le HTML. Il permet de créer et de structurer des pages web. Donc, par définition, toutes les pages web sont faites de code HTML. Ce qu'il faut savoir sur ce langage, qu'il s'écrit avec des balises qui fonctionnent souvent en paire. La balise body, la balise script, la balise link. Ces balises fonctionnent souvent en paire. Voilà, la balise d'ouverture, balise de fermeture, balise d'ouverture, balise de fermeture. Et parfois, ils ne fonctionnent pas par paire. Par exemple, la balise link, il y a la balise br, il y a la balise img. Une balise est constituée d'un mot précédé d'un signe inférieur et suivi d'un signe supérieur. Un mot précédé par un signe inférieur et un signe supérieur. Et aussi, il n'y a pas que ces balises que vous voyez là, mais il y a plusieurs balises, de très nombreuses balises, chacune a une fonction particulière. Pour récapituler, le HTML sert à structurer vos pages web et le CSS qui vient par la suite a un rôle de faire embellir vos pages web et les rendre plus lisibles en appliquant des règles de mise en page que HTML ne connaît pas. Le CSS permet également d'adapter votre site aux différents supports, ordinateur, TV, smartphone, tablette, ou même de faire des animations. Une chose que vous devrez vraiment garder dans votre tête, que les feuilles de style ont pour objectif principal de dissocier le contenu de la page de son apparence visuelle. Je vous donne un exemple. Notre site opentuto.com, ce que je vais essayer de faire, c'est de désactiver toutes les feuilles de style de notre site. Disable all styles. Voilà à quoi ça ressemble à quoi notre site. Sans les CSS, ça ressemble à ça. Mais avec l'application des CSS, on peut dire que c'est un autre site. Ce n'est pas opentuto.com, mais c'est un autre site. Donc vous voyez maintenant le rôle principal des CSS, c'est de faire embellir vos pages web. Concernant les quelques minutes restantes, nous allons les consacrer à Bootstrap, le framework front-end le plus populaire dans le monde. Donc qu'est-ce que Bootstrap ? Bootstrap, c'est un framework front-end qui facilite le développement de sites et applications web. Pourquoi ça nous facilite le travail ? Parce que déjà, il y a une tonne de composants préconfigurés que vous pouvez appeler très facilement. Par exemple, vous n'aurez pas besoin de créer des boutons personnalisés. Vous n'aurez pas besoin de créer des drop-down, des menus. Tous les éléments nécessaires sont là et prêts à utiliser. Donc, si vous êtes intéressé par la personnalisation des composants, c'est possible. Mais si vous voulez tout simplement garder le rendu ou l'aspect par défaut de Bootstrap, vous pouvez le laisser tel qu'il est. Nous allons faire un petit exemple. Pour travailler avec Bootstrap, vous aurez besoin de créer un conteneur. Un conteneur, c'est celui qui va contenir votre site web. Voilà, j'ai créé un conteneur et je vais afficher le résultat sur le browser. Voilà, si vous voyez avec moi, il y a une ligne en bleu, c'est notre conteneur. C'est là où il sera déposé le contenu de notre site web. Il n'y a pas une hauteur parce que déjà, il n'y a aucun contenu. Si je rajoute par exemple « bonjour », voilà, il y a bonjour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de supprimer ce texte et rajouter une ligne div.row. C'est une classe de Bootstrap. Cette div avec la classe row, ça permet de créer une ligne. Cette ligne se compose de 12 colonnes. Donc, j'ai créé une première ligne. Vous pouvez créer autant de lignes que vous voulez. Donc pour la première ligne, je vais créer une div qui va occuper la moitié de cette première ligne. Donc div
col lg 6. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai créé un bloc qui va occuper 6 colonnes dans la grille de Bootstrap. La grille de Bootstrap se compose de 12 colonnes. Donc, quand vous voulez créer un élément au sein de cette div, il ne doit pas dépasser les 12 colonnes. Il est possible de le faire, mais il y a des choses qu'il faut gérer. Par la suite, div, je vais créer une autre. Je vais créer une autre boîte. Call. LG 6. Voilà. Je vais écrire ici bonjour. Et ici bonjour tout le monde. Et faire un. Voilà, je vais venir ici au save.css pour sélectionner ces deux colonnes. Ces deux éléments. Et j'ai 6. Voilà. Voilà, comme vous le voyez ici, j'ai créé une ligne. Ça, c'est une ligne. Dans cette ligne, j'ai créé deux éléments. Un premier élément qui contient bonjour. Et un deuxième élément qui contient bonjour tout le monde. Il est aussi possible, par exemple, de changer le nombre de colonnes occupées par chaque élément en changeant uniquement ce numéro là. Par exemple, ici je vais écrire 3 et ici 6. 3 plus 6 ça fait 9. Il manque encore 6 colonnes. Donc, soit vous rajoutez une autre div qui va occuper 3 autres positions et voir. Ah là, donc 3, 6 et 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire LG? LG que vous avez déjà vu ici, c'est. Donc, ce que je veux dire avec LG, c'est que lorsque la page est affichée dans des larges supports comme les ordinateurs, donc je dis au navigateur que ce premier élément doit occuper 3 colonnes et que le deuxième élément occupe 6 colonnes et le dernier occupe 3 autres colonnes restantes. Donc je reviens ici et je vais essayer de réduire la taille de l'écran. Voilà, donc revenons ici. Voilà, maintenant on a toujours un écran large. Si on passe à un écran médium, les écrans des tablettes, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, les éléments sont devenus l'un au-dessus de l'autre. Je vais modifier LG par MD pour medium. Et rafraîchir cette page. Allez voir. Essayez de réduire encore plus. Voilà, encore plus. Et voilà, on est passé à un écran medium. Donc, c'est devenu l'un au-dessus des les c'est devenu des éléments l'un au-dessus des autres. Et ici par exemple pour les small SM, on revient ici. Voilà, c'est à ce moment-là où les éléments se positionnent l'un au-dessus de l'autre. Donc j'espère que c'est un petit peu clair pour le moment. Mais soyez sûr et certain que vous allez comprendre par la suite avec la pratique. On va certainement dépasser tous ces problèmes-là et comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, à la fin, avant de sortir, j'aimerais bien que vous nous rejoigniez sur Facebook, Twitter et soyez un petit peu active. Parce que nous voulons bien qu'il soit une activité, une interaction entre nous et vous, bien sûr. Merci beaucoup. Et s'abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les dernières vidéos. Et bye bye et à bientôt.